Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Beer Factory, un jeu de simulation de gestion d'usine de bière. Et comme tout bon alsacien qui se respecte, mais bon c'est vrai que partout en France on sait faire ça, mais surtout la bière alsacienne c'est la meilleure. Alors évidemment, moi ça m'intéresse. Le jeu est une démo disponible sur Steam gratuitement, vous pouvez faire un tour. On essaye ça ensemble, on va voir comment ça va se passer. Et n'oubliez pas que la bière alsacienne c'est la meilleure. S'il y a bien un truc à retenir dans cette vidéo, c'est ça. Alors attendez, paramètres. Wouh! Ça c'est de la bonne musique pour déguster la bonne bière. Allez c'est parti, nouvelle partie. En mode normal vous jouez avec l'expérience de jeu telle qu'elle a été conçue. Francis est présent. Je sais pas, Francis c'est un nom qui me fait penser à la Bretagne. Un peu comme Nolwenn. Nolwenn et Francis pour moi c'est des prénoms qui sont typiquement bretons. Je sais pas pourquoi. Allez on se met en mode normal. Nous on est un petit peu des bonhommes. Et puis on s'y connaît en bière quand même. Waouh. Factory, donc l'usine de bière. Bien sûr ce n'est pas en France, vous l'avez compris. Je sais pas du tout si la bière aux États-Unis elle est bonne. Moi je pense que non. Très belle cinématique en tout cas. On tourne sur un Unreal Engine si je dis pas de bêtises. Avec le budget que l'on a, on a pu acheter cette vieille usine. Avant de commencer à travailler sérieusement, allumez le courant, nettoyez l'usine et faites quelques rénovations. Oh trop bien! J'ai entendu dire que l'usine a été squattée, mais ce n'est peut-être qu'une rumeur. C'est trop bien, on va retaffer une usine quoi. Ouvrir les barrières de l'usine. Mais pas de problème, moi j'ouvre les barrières de l'usine. Hop, je mets la clé. Alors, très honnêtement, j'aurais pu rentrer sans ouvrir les barrières, mais c'est pas... Par contre, j'aimerais bien avoir un flingue, parce que s'il y a des squatteurs, moi, je veux pouvoir me défendre. No smoking, ça tombe bien, je fume pas. Je bois seulement. Bonjour. Waouh. C'est joli. Moi, je vais direct... Ouh. Faites-vous un café. Permet de sprinter. Mais non, incroyable. Trop bien. Oh là là. Ça y est, je peux courir. Wouhou. Oh non. Mais moi, je m'y connais pas, moi, en tableau électrique. Hop. Voilà, ça c'est fait. Hé hey Francis. Je ne suis pas venu pour faire un débat. Hop là dans ta gueule. Attends Francis, c'est pas fini. Je suis désolé, t'es sûrement un chic type, mais le jeu en demande autrement. Merci, s'il vous plaît, merci, voilà. Paf. Merde, bâtard. Voilà. Ah mais en fait il m'a volé un carton. Non. Pourquoi il y a un carton qui vole frère? Ah, vous avez reçu une nouvelle pièce de tuning. Propane, bon allez dégage Francis. Tu veux que j'appelle les pompiers peut-être? Non mais assembler la fourche au chariot élévateur. Mais non. Incroyable. On va passer le cassesse. Je prends la poubelle, je le jette. Hop. Oh, il y a des records, il y a des objectifs, il y a des défis. Attendez. Eh regardez, appelez-moi Tony Parker. Attendez, moi je veux faire un record de poubelle moi. Hop. Ouais, 6m75, incroyable. Allez, achetez une serpillère au magasin. Ah, on commande sur Amazon. Ah, c'est nul. Ok. Bah, j'achète, hein. Hop là. Ouais, j'ai une serpillère. Trop bien, on va pouvoir faire le ménage. Ah, c'est satisfaisant. C'est bien pour le moment, ce jeu, il mélange plusieurs jeux. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Viens par là, coquin. Hop. Superbe. Oh, 16 mètres. Petite ou grande, on s'en fiche du moment qu'elle est bonne. Oh, bonne nouvelle, j'ai trouvé des subventions pour votre usine. Vous allez recevoir un transfert. Donc là on peut aller voir sur l'ordinateur. Société de construction, donner accès à la première extension. Vas-y go direct, on achète. On va gagner 1400$ et avoir 28 points de réputation en signant ce contrat. Est-ce que je peux le lire? Parce que c'est bien beau de signer des contrats, mais moi j'aimerais le lire hein. Je peux pas, bon bah écoutez je vais accepter. Ne faites jamais ça hein. N'acceptez pas des contrats sans les avoir lus. Alors on met la palette dans le panier. Le malt brut, on va en prendre je sais pas combien on peut mettre sur une palette. Je vais en prendre 10. Mais quelle rapidité! Ça c'est les livreurs alsaciens ça, on les reconnaît. Salut collègue. Incroyable. Hop là, et ça touche. Wouhou. Oh putain. Ok. Oh j'ai réussi. Oh. What? Ok c'est bon. Oh c'est incroyable. Oh c'est incroyable. C'est incroyable. Putain mais c'est génial. C'est génial. Oh c'est génial. C'est génial. Oh génial. C'est génial. Mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Oh c'est génial. Franchement génial. C'est génial. Génial. C'est génial. Ok. Nettoyer l'accumulation de grains en dessous des graineuses. Oh merde. Raffiner un sac de malt. Comment on fait pour raffiner un sac de malt? D'abord, qu'est-ce que l'évasion fiscale? C'est là qu'on raffine. Hop. Ah oui, il faut que je laisse le levier vers le bas. Oh. Exportez votre première production. Mettez votre palette pleine de ressources que vous avez raffinées dans le coffre du pick-up. Mais non! Bon là c'est le tutoriel les amis, hein, vous l'avez compris, hein, on fait ça avec un seul sac. Mais non!
Ah, il faut que je mette ça sur la palette. Mais voilà, ok. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. On va faire ça. Go. Allez, on met ça. Hop, ça y est. Eh les gars, je suis un vrai brasseur de bière là. Enfin là, on brasse pas encore. C'est impressionnant. Ça se trouve, je vais encore me convertir et je vais avoir une nouvelle ambition professionnelle. Ok. Donc là, j'ai raffiné. Je mets ça sur les palettes là. Ok. Dommage qu'on puisse pas en prendre plusieurs. Et là maintenant. Alors attends. Faut que j'enlève la palette. Dégage. Comment je vais faire pour... Ah ouais, comment je fais pour enlever la palette? Attendez. Comme ça. Ok, c'est pas facile hein. Les roues elles tournent pas comme je veux. Ok, ok, ok. Oh les poubelles. Ah ouais, oh purée merde. Dégage la poubelle. Eh c'est pas facile hein. Oh là, oh là, casse pas le pick-up. On se met là. On baisse. Oh let's go. Et le pick-up il part. Incroyable. Eh c'est pas mal en vrai hein, c'est pas mal hein. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération bien évidemment. Là c'est pas le sujet, mais quand même. Ça s'appelle Beer Factory, c'est un jeu qui est gratuit pour le moment puisque c'est la prologue qui est dispo sur Steam. Ça sortira courant de l'année, on sait pas quand, on n'a pas d'infos. Donc vraiment les gars, super sympa, super intéressant. Peut-être une multitude de choses à faire par la suite, c'est fort probable. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à essayer le jeu, pourquoi pas, je mettrai en description. Et n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce genre de petite vidéo détente, vidéo un petit peu différente où on teste des jeux comme ça, des jeux indépendants, des jeux à la cool, comme ça. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez kiffé cette vidéo, faites-le moi savoir en bombardant la barre de like. En vous abonnant, c'est très important. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.